Alors, je viens de vous tourner le petit morceau blabla bonheur du jour, du mardi, et j'ai toujours autant de place sur mon bureau, et je vais vous ouvrir, oui c'est long à démarrer là, hein. Je vais vous ouvrir le colis que je viens de recevoir, voilà, hop, ça je déplace. Alors souvent je déplace ici, je vous l'ai déjà dit, l'autre jour j'ai fait un bon tri, mais j'en ai remis. Bref. Voilà, je pense que là je suis bon. Je ne vais pas dire que je suis bonne, mais non, je ne suis pas bonne. Bref. Voilà, bah c'est bon, là il y a un petit peu de place. Bon, allez, il y a un petit peu de place, on va s'en sortir. Donc comme je vous le disais dans mon blabla du mardi, c'est pas qu'on a été réveillé, c'est que j'étais dans mon lit et j'entends l'interphone qui sonne sur le téléphone, et nous faut ouvrir quand les gens ils sonnent en bas du bâtiment pour parce que notre porte elle est sécurisée, ça sonne sur notre téléphone et nous faut qu'on appuie sur certaines touches pour ouvrir la porte. Et en même temps, on peut lui parler à la personne qui a sonné. Et là, c'est Colissimo, j'ai un colis pour vous. Bah oui, mais Coco, elle était en train de faire l'étoile de mer, là. En train de respirer un peu sur le matin, dans le lit. Donc, il a dit, je monte. Ah, panique à bord. Oh non, au secours. Oh, bah oui, les cheveux comme ça, les yeux comme ça. Pas prête. Et il y avait mon mari qui était sur le canapé en short. J'ai dit, il y a Colissimo qui arrive. Donc, il a été lui ouvrir. Je préfère. Donc, j'ai pris mon scalpel, mais je pense que ces colis-là, il y a une ouverture facile. Alors, c'est. Ah non, ça, je vais laisser là, parce que je vais peut-être en avoir besoin. Donc, c'est un Colissimo. Ah oui, voilà, je savais bien qu'il y avait une ouverture facile. Donc, un Colissimo qui me vient de Tali 22. Un gros truc, hein. 1,3 kg. Rose bonbon coco. Oulala. Oulala. Alors, je vais enlever la chose. Le carton, boum, pour Niji. Alors, il y aura. Bah, installez-vous parce que, à mon avis, ça va durer. Voilà. Un petit peu de tulle, ça c'est parfait, en blanc là, c'est nickel. Et rose bonbon coco, donc c'est bien pour moi. Hop, allez, on ouvre la petite lettre. Bah, alors, bah non mais elle est bête la fille, enfin, moi hein, pas moi je suis bête, j'ouvre là, je décroche, j'arrache tout là, voilà, pour ouvrir. Ah oui, mais il y avait l'ouverture là. Je suis fatiguée. Dès le matin, je suis fatiguée. Ah, sympa. Ah, sympa cette mosaïque. Ah ouais, vraiment, j'aime bien. Vous voulez voir? Non, je ne vais pas vous montrer. Attendez, si, je vais vous montrer. Regardez. Plein de tout petits carrés. Ça fait une belle petite mosaïque. Ah, j'aime beaucoup. Super idée. Oh Mimi, le petit masking tape là. Ah, vous entendez? Elle est dedans, elle mâchouille le carton déjà. C'est bien hein, quand vous m'envoyez des colis, vous faites deux roses. Moi et Niji. Enfin, Niji et moi. Plus poli. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien. Là encore 5 dodos. Et c'est les vacances. Alors là, c'est bon, c'est bon. Ah, un junk sur la mer! Ah, trop bien. Alors moi j'en fais jamais des junk parce que je suis pas à l'aise avec ça et je pense que je ne saurais pas faire. Mais il est balèze ton truc. Non mais je finis mon petit mot. Il y a deux mots. Il y a la carte et il y a la petite lettre. Alors un petit mot pour te dire qui je suis. Ah,
Ah oui, d'accord. Junk, c'est ce que tu préfères? Ah oui, tu fais pas mal de choses, hein. Les blocs sont pas possibles. Merci. Bah, j'ai voulu changer un petit peu et j'avoue, je m'éclate pas mal en faisant mes petits blablas du dimanche là, en faisant des petits bouts de scène toute la semaine. C'est pas trop contraignant. Et à la fin de la semaine, j'ai l'impression que ça fait comme un journal intime qui ne serait pas intime, mais je me dis, ça se trouve, d'ici quelques années, bah, je pourrais reprendre tous mes blabla bonheur et je verrai ce que j'ai fait il y a 1 an, il y a 2 ans, si je continue, parce que vous savez, moi je commence des trucs et je les termine jamais, mais bon. Ok. Et ben moi aussi je t'embrasse très 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 fort. Je vais poser ça sur le côté. Et on va ouvrir ça. Alors c'est sûr que le tulle là, je vais le garder. Hop. Parce que ça, c'est très très pratique pour faire certaines créations. Je vais le mettre. Je vais bien le ranger dans ma boîte là. Hop. Alors là, c'est un tiroir où je mets quasiment celui-là et celui-là. C'est principalement les goodies que vous m'envoyez. Voilà. Des petites choses. Oh bah ça c'est parti ça. Bon, je remettrai ça après. Mon tiroir il est un peu bancal. C'est principalement oui les petites choses que vous m'envoyez. Oh, faut que je me mouche. Voilà, la patate toute rouge. Je me suis mouchée. C'est principalement, je disais, des choses que vous m'envoyez dans vos envois. Vous m'envoyez dans vos envois. C'est logique. Alors, j'enlève le papier bulle. Qu'est-ce que c'est? Hop, ça, je vais le poser là. Bon, allez. Je vous fais découvrir. Alors, clairement, je ne vous basculerai pas sur mon bureau. C'est voyez ce que je veux dire, c'est le bazar. Alors le petit embellissement là, je le récupère tout de suite. Ça fait du bruit? Oui. Oups, voilà, je l'ai récupéré. Non, mais il est joli parce que je vais le laisser dans le papier bleu et je sais qu'au bout d'un moment là je vais ranger mon bureau normalement et je vais prendre les trucs et je vais les papiers d'emballage et tout ça et je vais jeter et je vais me dire ah mince, il y avait le petit machin que je voulais récupérer. Bon, bref, petit bateau là, il est mignon comme tout. Voilà, on colle là, hop. Ah non, vous voyez pas. Alors, j'ouvre. Oh là là, c'est magnifique. Oh là là, c'est trop beau. Hop, ça, j'enlève. Ça va faire du bruit. Oh, regardez-moi ce gros bébé là. Ah non, mais il va falloir que je me mette ailleurs, hein. Je vais aller mettre sur la table du salon pour ouvrir ça et vous montrer parce que je vais pas être à chaque fois en train de vous relever le machin. Non, je vais bouger, je vais me mettre dans le salon. Ouais, à toute. Me voici, me voilà. Ça sera beaucoup mieux pour que vous puissiez apprécier et moi aussi. Bon, ma table de salon, elle est clairement abîmée. Il faudrait qu'on la repeigne et tout, mais bon. Hein. On va passer les détails. J'aurais pu mettre un truc, un papier de fond, un machin, mais on reste dans le naturel. Donc un très bel bijou, un très beau bijou d'album. Voilà, la petite encre. C'est trop beau. Tout ça, on dirait des petits. Celui-là, on dirait un petit galet.
La petite chaînette. Oh, la bouée, elle est trop sympa. Voilà. Donc, on va découvrir tout ça. Alors là, c'est une grande première pour moi. Le petit bateau est magnifique. Ah, ça, c'est sympa, là, la corde. Ah, c'est très sympa, là. Là, le petit filet, là. Filet de pêche. Oh, j'adore. Alors, moi, je suis incapable de faire ça, hein, clairement. Faut savoir être réaliste. Alors. Marée haute, marée basse, grande marée. Alors, peut-être je vais vous mettre dans le bon sens. Moi, je le regarde, j'aurai tout le temps de le regarder mieux après. Il est beau, hein? Il te plaît. Oh, bah oui, il fait câlin. Elle l'aime. C'est validé. Alors, que je sois dans mon bureau, oui, bisous. Que je sois dans mon bureau ou que je sois ici, elle vient m'embêter. Donc là, c'est du tissu. Un très joli tissu marin avec des cordes. Des tamponnages sur le tissu. Elle est jolie, la coquille Saint-Jacques. Bon, ici, ça ne va pas le faire, là. Là, c'est un papier où je vais pouvoir. Ah, ça fait en fait. Un job, ça fait aussi album photo. C'est un mixte. Non, Niji, non. Tu vas pas me faire tomber mon installation à 2 balles. Hein. Oui, parce que vous êtes sur mon trépied, mais vous êtes posé sur une poubelle, ma poubelle de bureau mise à l'envers pour pouvoir faire de la hauteur. C'est génial. Ah, là, c'est la feutrine. Moi, je pense pas à faire ça. Je trouve ça très très joli. Mais je pense pas. Là, c'est une petite pochette en craft. Et dedans, des petits tags. Oh, c'est très beau ça. Oh, c'est très joli. Ah, du Vichy. Là, une petite carte. Une petite, non, une grande carte. Ça devait être dans un album, dans un bloc. Et là, les nuages. Oui, ça devait être dans un bloc. Très, très, très sympa. Je découvre et j'adore. Il y a, on m'avait déjà envoyé 2 junks. Déjà, j'ai déjà reçu. Un junk girly. Voilà, parce que moi, je disais, oui, les junks, c'est fait, ça fait vieille. Enfin, ça fait vieillot. Pas dans le sens négatif, hein, mais c'est vintage. Et moi, je suis pas très vintage, vous voyez. Et il y a quelqu'un qui m'en avait envoyé un plutôt moderne et je me suis rendu compte que j'avais des a priori et que je pouvais me tromper aussi. Voilà, et qu'il n'y a pas que du vintage dans les junk. Là, je peux mettre une photo, bah, je pourrais mettre des photos de. J'en ai sorti des fois certaines en double, des photos de mes vacances là, de cette année. Non, mais ça va, on t'embête pas. Allez, descends. Allez, oh. Okay. Alors, je pense que ça s'est collé dessus. Et ça, je vais le remettre. Voilà. Les coquillages, le papier. Alors, attendez. Ah, comme ça, non. C'est joli, ça aussi. Là aussi, je vais pouvoir coller des photos dessus. Ah si, je peux ouvrir. Ah bah non, c'était. Oui, voilà. Ah mais attendez, j'ai pas l'habitude, hein. Je réfléchis avant d'ouvrir et de faire des bêtises. Voilà, des paillettes, yes. Là, on peut coller des photos. Ah, c'est bien. Là, le gros napperon. Ça fait bien le gros napperon comme ça en plein milieu. Là, également une photo avec les petits embellissements en 3D. Des petites choses. J'aime bien les. Enfin, ce que j'aime bien dans les créations comme ça, c'est le côté déstructuré. C'est fort sympathique. Un petit peu de vélum. Il y a toutes les matières. Hein. Est-ce que ça. Non, ça ne s'enlève pas. Je regardais au cas où. Là, pour mettre une photo. Ah, ce papier-là est très beau. Il est super beau. J'ai. Hop. Oh, une petite mouette. Alors, attendez. J'espère ne pas me choper une allergie parce que ce matin là j'ai éternué 2 fois et j'arrête pas de me moucher. Là,
Là pour mettre des photos. Là avec le petit bateau. Lâcher prise. Ah bah ça. Alors ça peut pas tomber mieux, hein, ton sentiment là. Niji qui gratouille dans le carton, là, dans la pièce. Les petits hippocampes, l'embellissement, vous savez, les embellissements un peu épais là. Voilà, du bleu, du bleu, du bleu. Tout ce bleu. Across the sea. Ça veut dire à travers la mer. Oh là, ça c'est du tissu. Oh, petit bateau en papier. Ah, petite surprise. C'est mimi. Un mini mini carnet. Pour mettre des mini mini secrets. Ouais, ça, c'est fait avec une enveloppe. Tiens, j'avais pas fait attention. Hop. Ah, c'est joli ça. Ah, ça doit être les découpes nuages là, des grandes eyes action. Enfin, ou quelque chose qui ressemble à ça. Un perroquet. Photo, photo. Photo, 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 photo. Oh, mimi ça. Un petit shaker. Attendez, ça, je vais le remettre. Moi, des fois, dans les transports, les colis sont tellement secoués que... De la paillette. Des petits tags. Ça fait des petites... ouais, c'est sympa, ça fait des petites découvertes. Quand on regarde ça, ça fait des petites découvertes, j'aime bien. J'aime bien, mais je ne me sens pas capable de le faire. Le tissu qu'on a vu tout à l'heure, là... c'est pareil que de l'autre côté, ouais, voilà. Là, c'est la petite coquille Saint-Jacques. Oh, il est gros celui-là, l'embellissement. Les hippocampes. Oui, c'est un petit carnet de plein de petites décos. Ah, les petites tortues là. Très sympa, très beau ce papier. Ils sont très jolis ces animaux là. Ils sont. Oui, c'est super discret. C'est discret, mais ils sont très très travaillés, on va dire. Voilà. Celui-là aussi est trop beau. Encore un petit carnet. Ouais, carnet. Hop. Peut-être le reculer un peu, comme ça vous voyez tout. Hop, ça. Comme ça, je pourrais mettre plein plein de photos. Je sais pas si ça va passer 10 cm, il faudrait que je regarde. Mais au pire, je peux les retailler ou je vais les sortir avec ma petite machine. Ah oui, ça je connais, ça j'ai déjà eu dans un bloc. Ah, c'est mignon ça aussi. Escapade en mer. Mais c'est marrant, enfin moi j'aime bien les... Ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'aime bien les petits bouts là, plus petits que les autres. L'autre morceau de napperon. Sinon, tu as dû mettre du temps pour faire tout ça. La paillette. Amuse-toi à colorier. Oh bah. Ah, c'est ma spécialité en plus, hein. Amuse-toi à colorier. Je colorie avec ça. Je pense qu'il faut que je colorie ça avec du crayon couleur. Parce que le feutre, ça va baver peut-être dans les réunions, non? Amuse-toi à colorier. Oui, c'est ma grande spécialité. Tu t'es dit, il faut qu'elle s'entraîne à colorier. Oh, je ne vous ai pas montré derrière. Le petit sac là est très très sympa. C'est dur. Oh, mignonne. Oh, c'est trop sympa. Ah oui, j'aime beaucoup ça. Avec quoi, de la peinture? Ah, je croyais que c'était un nuage. Non, c'est une coquille Saint-Jacques. Enfin, oui, c'est une coquille Saint-Jacques. Ah, c'est trop bien. On met sur un devant d'un album. Ah, c'est trop sympa. Merci beaucoup. Ah, ça aussi, j'en ai reçu. Je l'ai dans mon panier d'embellissement de la mer. Puisque je n'ai toujours pas ma grosse valise pour mettre les embellissements. Mais j'ai pas envie de vider l'autre pour mettre ça. Après, ça n'a plus de sens. Hein. Ah, ce tissu-là, il est magnifique. Franchement, je vous l'ai dit de l'autre côté, mais il est magnifique. Là, c'est
Je soupçonne qu'il y a un petit truc à regarder là-dedans. Un petit tag. Allez, viens, Coco. Ah, c'est une petite maison. Je me suis dit, c'est quoi ça? C'est une petite maison avec des oiseaux. Ah, ça a été fait avec un sachet de thé, on dirait. Ça ressemble à un petit sachet de thé qui a été recouvert. Sympa l'idée. Hop. Là, il y a un petit tag. Ah oui, c'est des petites découvertes à chaque page. J'aime bien. Oh, très beau ça. Très joli. Oh, pas... bah dis donc, tu l'as en... dans les deux couleurs. Il est trop beau ce tissu. Dis-nous avec une carte. Ah, je croyais que c'était toi qui avais refait les constellations. De la dentelle, de la paillette, du feutre. Paris, Bretagne. Attends. Paris, Bretagne, Péros, la mer. Péros, Péros grec. Pardon. Oh, oh, il est trop, trop beau. Alors, qu'est-ce qu'elle fout là, la Tour Eiffel? La Tour Eiffel, elle est partie à la mer ou quoi? C'est bizarre. Il y a plein de choses de la mer et en plein milieu, il y a une Tour Eiffel. Bon. Photo, photo. Ah, je touchais. J'ai cru que c'était vraiment du tulle. J'ai touché. Non, il n'y a pas de tulle. Petit poisson, petite cabane de plage. Hop. Un petit surf. Oh là là, c'est trop mignon. Ah, sympa. Des petits embellissements. Alors, ah, ça m'embête. Ça m'embête quand c'est comme ça parce que je me sens obligée d'abîmer et je vais y aller en douceur. Oh, ça. Ah, voilà, j'ai pas abîmé. Donc, des petites étiquettes. Très, très, très vintage. Alors là, c'est carrément. Oh, l'hippocampe. Carrément hors de ma zone de confort. Hein. Des petits oiseaux, une libellule, un hippocampe, des écritures et des plantes. Voilà. Hop. Me voilà. Je vais surveiller, hein, sinon je vais prendre direct cette tyrosine là. Le problème avec cette tyrosine pour les allergies. Oui, parce que je viens de couper pour encore une fois me moucher. Le problème de cette tyrosine, c'est que ça fait dormir. Et comme je suis déjà à plat, j'ai pas envie d'être un peu plus KO que ça. Donc je verrai. Je verrai l'évolution. Un océan de tranquillité. Le bois, il n'y a pas à dire. Le bois, c'est vraiment sympa. Tissu, bois. Non, non, c'est vraiment... c'est du boulot, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Une petite pochette. Mais c'est parfumé. Ça sent, ah non, ça sent le bois. C'est le bois, là, qui doit sentir. Attendez. Oui, je sniffe. Oui, c'est le bois qui sent. Ça sent super bon. Parce que c'est comme bois, mais il sent le bois. Alors, les embellissements. Ah, oh, ils sont beaux. Let your dream. Cette scène. Laisse tes rêves. Je sais pas, prendre la mer. Je sais pas. Ça, c'est très joli, là, les coquillages et tout. La petite, je sais pas, sardine, macro. Je ne sais pas. La petite boussole. Et... le petit chat qui est revenu. Non, le coquillage et la petite bouée. Voilà. Je vais remettre tout ça dans la pochette. Et remettre à sa place. Parce que sinon,
je vais les perdre. Je me connais. Donc, marée haute, marée basse, grande marée. Ah, encore un autre napperon. Ah, des petits, des mini, petites illustrations. Ah, elle est très mignonne. Ah oui, vous voyez rien. Super mignonne. Les petits coquillages. Ah, ça c'est un... Oh, ça je crois que c'est un vieux bloc. Enfin, vieux, il n'a pas 100 ans non plus. Hein. Mais oui, ça me dit quelque chose, ça. La petite lanterne. Là, je vais pouvoir mettre des photos. Franchement, il est trop beau. Puis les matières, elles sont tellement toutes différentes. Ah, là, il y a des découpes. Est-ce que je vais y arriver? Hop, ça, je vais mettre. Hein. Ah, voilà. Ah, c'est plein de mots. Ah, trop bien, c'est des mots français. Ah, super bien. Grand angle, sable chaud, plein sud. Promenade sur le sable. Ah, trop bien. Plein. Je regarderai plus en détail après. Déjà là, ça fait... Oh, ça fait déjà quasi une demi-heure. Tout va bien. Il était où? Il était où? Il était là? Je sais plus. Bah oui, bisous. Hop, encore une pochette. Moi, je pense pas les garder, les pochettes, qu'on achète les cartes postales, les machins. Je pense pas du tout, parce que comme je fais pas de junk, j'y pense pas. Mais là, je vois que c'est quand même bien utile. Des petits tags, des petits... Oui, des petites interactions, là, c'est sympa. Oh, plein de petites découpes. Et là, pour mettre deux petites photos, c'est trop bien. Oui, il va falloir que je redimensionne mes photos, que je redécoupe des fois sur les photos. Moi, des fois, les cadrages, je ne fais pas trop ça. Donc, en redimensionnant, je pense que je pourrais... Oh, c'est joli, ça. Je pourrais les placer sur les emplacements. Les placer sur les emplacements. Oui, bien sûr. Bah oui, c'est ça. Des photos, la paillette. Bah, t'as dû en mettre du temps. Hein. L'autre moitié du cœur, là, avec la tour Eiffel qui est partie à la mer. Et, oh, des breloques. Ah, elles sont jolies, hein. Très très sympa, des breloques. Alors, vous avez la bouée, le gouvernail, l'encre, le petit coquillage, là, des boutons. Ah, des boutons, ah oui, avec une encre marine dessus, des boutons comme on peut trouver sur les marinières, les gros pulls qu'on peut acheter en bord de mer. Des petits poissons. Oh, c'est génial. Je vais même essayer de le... Hop, voilà. Sur de la feutrine. Alors, il y a du tissu, de la feutrine, du papier, de la dentelle. Il y a de tout. Hop. Et le beau tissu là qui revient. Eh ben, Tally Scrap. La petite signature. Ce tissu là aussi, c'est beau. Hein. Franchement, merci beaucoup. Hein. Et là, le beau gros embellissement là. Le bel embellissement marqué la mer. Étoile de mer. J'en avais acheté une aussi en vacances, mais elle s'est un petit peu cassée. Voilà. C'est un bon gros bébé quand même. Hein. Bah écoute, Nathalie, merci. Alors, tu veux que je colorie ça? Bah, je verrai quand j'aurai rangé mon bureau, si j'ai le temps. Merci beaucoup. Voilà, qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Bravo pour ton travail. Parce que c'est un vrai... C'est du plaisir, mais c'est aussi du boulot. Hein. C'est beaucoup de collage, de réflexion, de tout ça. Oui, puis surtout beaucoup de plaisir, hein, comme on dit. Voilà. Et là, c'est quoi? Ah, c'est joli, ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Dedans, il y a des tout petits coquillages encrustés dedans, ça.
Voilà. Bah écoutez, j'espère que j'ai rendu honneur à Nathalie en vous montrant tout ça. C'est très joli. Alors, je vais pas vous mentir, je n'en ferai pas. Voilà, je trouve ça magnifique. Mais je n'en ferai pas. Je crois que j'ai pas le feeling pour faire ça. Mais de l'avoir celui-ci entre les mains, un bon gros bébé comme ça là. Je trouve que c'est magnifique. Voilà, tout est assorti, tout est pensé. Non, c'est génial. C'est génial. Bah, un grand, grand merci. Je vais vous laisser. Et voilà, je vous laisse profiter de la couverture. Et je vous dis bah, à plus tard dans une autre vidéo. Allez, ciao!